Je vais vous présenter mes camarades dans un instant, mais je voulais d'abord qu'ils sachent à qui ils avaient fait à déjeuner. Donc, je vous présente Marine Martin. Vous ne l'appelez pas Marine, vous l'appelez Marine Martin, comme son avocat. Et Marine est quelqu'un d'inspirant, parce que c'est une femme qui est citoyenne au départ, comme tout le monde au départ, et qui a vécu quelque chose de particulier. Ça démarre comme un drame, mais vous allez comprendre qu'elle en fait un combat, puisqu'elle a deux enfants qui ont des problèmes, des handicaps, à cause d'un médicament qu'elle a pris quand elle était enceinte, un médicament contre l'épilepsie. Il s'agit d'un médicament qui s'appelle Dépakine. Et donc, elle a décidé que son cas personnel devait servir et est en train de sauver des vies, au fond, puisque grâce à son combat, et c'est son avocat qui l'a dit, voilà, aujourd'hui, le médicament ne fait plus de dégâts comme il l'a fait. Mais il y a au moins 10 000 enfants qui sont concernés dans ce pays. Et donc, voilà. Et c'est le cas aussi des enfants de Laurence, trois enfants. Et elles sont toutes les deux maintenant très proches, puisque vous êtes présidente de cette association et vice-présidente. Oui. Vous êtes présidente, Marine. Oui. Et vous êtes vice-présidente de l'association, c'est l'APESAC. APESAC. Oui, voilà. Si des mamans souhaitent nous contacter, surtout qu'ils n'hésitent pas à se rendre sur notre site internet, nous envoyer un mail ou nous téléphoner, parce qu'on essaiera de les aider dans la mesure de notre possible, bien sûr. Voilà. Bon, je vous présente mes camarades. Alors, Arnaud, c'est la première fois qu'il vient. Arnaud, je suis très, très, très content qu'il soit là en vrai. Vous allez comprendre pourquoi. Il est président d'Europe d'une association qui s'appelle Ashoka, qui est d'origine américaine, et qui fédère et qui regroupe tous les gens qui ont décidé de changer le monde aujourd'hui. Et tu veux nous parler de quoi ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler effectivement d'un mouvement silencieux, mais qui est en train de changer le monde de façon complètement irréversible. Ça accélère de partout. Il y en a en Asie, il y en a en Afrique, il y en a en Europe depuis quelques années. On les appelle les entrepreneurs sociaux et ils sont en train de trouver des solutions incroyables, concrètes, à chaque problème à la fois de santé, d'éducation, d'environnement. Vous allez voir, c'est comment finalement réconcilier son envie d'entreprendre et la mettre non pas juste au service du profit ou de l'enrichissement personnel, mais au service de trouver des solutions concrètes pour des gens au quotidien. Ça vous parle, ça, Marine ? Oui, 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 tout à fait. Alors, Émilie, elle est comme ça, regardez, elle est très douce, mais attention, c'est une warrior. Elle aussi, c'est une guerrière. Elle est journaliste économique, et donc elle côtoie, vous savez, les grands de ce monde, j'ai envie de dire les grands patrons, les gars du CAC 40, etc. Et donc, elle s'intéresse aussi à ceux qui font du bien à notre société. C'est un peu ça, l'idée. C'est un peu ça. Je m'intéresse surtout à l'entreprise et à comment est-ce que l'entreprise peut faire du bien aux gens. Parce que, comme vous le savez, on passe quand même 80 000 heures de notre vie à travailler. Donc, il vaut mieux avoir une grosse motivation le matin quand on se lève. L'heure est assez grave quand même en France, puisque 47% des Français aujourd'hui estiment passer à côté de leur vie. Parmi eux, 39% rêvent de changer de vie. C'est vrai, ça nous est tous arrivé un matin de se dire « j'ai envie de tout plaquer ». Moi, ça m'arrive de temps en temps. Plus depuis que je travaille avec Frédéric Lopez, mais ça m'est arrivé. Est-ce que vous êtes arrivé l'un et l'autre de vous dire « allez, changement de vie » Parce que ça fait envie. Oui, mais je l'ai fait. Donc, quand j'en ai eu marre de travailler dans la logistique en me disant « mais qu'est-ce que j'apporte chaque jour au quotidien ? Qu'est-ce que je fais là ?» rien. Après moi, tout le monde m'oubliera. Donc je me suis dit, j'ai aucun regret, je laisse tomber. Il fallait trouver du sens. Oui, il fallait trouver du sens, ouais. Et donc ce combat que vous menez aujourd'hui, finalement, ça a du sens. Ah oui, celui-là, oui. Ouais, oui. Et quand on change de vie, est-ce qu'il y a des peurs ? Bien sûr, on n'est jamais sûr d'y arriver, mais c'est pas grave, au moins on a essayé. C'est déjà ça. Alors Marc de la Ménardière, je l'ai rencontré il y a 3 ans dans une conférence de Pierre Rabhi. Et donc ce garçon a vraiment vécu un changement de vie, puisqu'il était dans une multinationale. Et il faisait croire aux Américains que l'eau est un produit de luxe, à vous de trouver la marque. Et donc régulièrement, il vient nous présenter des gens qui ont eu ce courage de changer de vie. Qui cherchaient du sens. Et là, je vais vous présenter un couple qui justement a été face à un drame, c'est la perte de leur emploi. Et face à ça, en fait, ils se sont dit, c'est peut-être l'occasion de transformer en fait cette difficulté en une opportunité pour vivre nos rêves. Et ils ont fait le rêve que, je pense, certains d'entre nous ici ont déjà eu. Je quitte tout pour... élever des chèvres. Vous l'avez jamais dit, élever des chèvres dans le Larzac. Et là, ils ont trouvé justement du sens et ils ont fait du fromage de compète qui est là, d'ailleurs, vous pouvez goûter. Mais à partir vraiment d'un problème qui est au départ, un problème de licenciement, perte d'emploi. C'est la fin, plus d'emploi et donc on a un rêve. Et puis là, on a envie de passer du temps ensemble, en couple aussi, un projet de couple. Et puis plutôt que de se voir que le soir, tard en fait, est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose qui nous rassemble, rassemble la famille et ait du sens ? C'est ce qu'ils ont fait et j'ai passé un super moment chez eux. Vous êtes allé les voir ? J'ai été les voir. On regarde. Ça, c'est les biquettes qui nous montrent leurs fesses direct, en fait. Direct, c'est ça. Voilà, on est accueillis par des petites fesses de biquettes, alors. Vous voulez essayer ? Allez. C'est moi qui fais tout seul ? Oui. Oui ? Ah, faut pas avoir peur. Ah ouais, faut pas avoir peur. Parce que... Ah oui. Parce que...
Alors, je fais genre, hop, je mets les tétons comme ça directement. Ouais, voilà. Vous prenez le pli carrément. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est bon. Maintenant, c'est intime. Tu vois, un peu cavalier quand même. On se connaît pas, on s'est même pas regardé dans les yeux. On va faire un petit bisou avec quand même. Tu veux un petit bisou? Oh. Qu'on ressent quand on a construit un truc comme ça de ses mains et que voilà, c'est, on est reparti de zéro. Au début, on est fier. Après, on se dit, on est fou. Tout se déroule pas toujours comme on veut. Après, il y a les doutes. On continue pas. Et là, dans ces moments-là, qu'est-ce que vous vous dites en fait pour Et ben, dans ce moment-là, moi, je mets dans mes chèvres. Je regarde mes chèvres, puis je dis, ben non, je peux pas quitter. Mais non, j'ai trouvé ma voie. Et quand tu dis, moi, j'ai trouvé ma voie, tu ressens quoi à l'intérieur? Et ben bien. Sereine. Sereine, c'est la sérénité, c'est ça? Je crois que c'est ça le bien-être, non? Moi, je cherche Marc. L'homme qui a quitté le bureau pour aller faire du fromage de chèvre. Il est connu. Fabuleux, il ça. Est connu sur la place. Ah ouais, cache, ouais. Et 8 qui font 10. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Bonjour, Marc. Oui, Marc aussi. Eh ben, enchanté. Enchanté. Alors, c'est toi qui les as fait? Ah non, c'est pas moi, c'est ma femme. Je vais te faire goûter ça. Ça, c'est pas mal. Ça. T'as ressenti quoi quand on t'a dit, ça y est, c'est fini, vous ferez plus ce travail là? J'étais libéré là. Ah, toi, tu l'as vécu comme une libération? J'arrivais à bout quoi. Et donc là, maintenant, du coup, quand tu t'es là à vendre tes fromages, à la fin de la journée, tu te dis quoi? À la fin de la journée, je dis. Eh ben, demain, il va falloir que je me relève parce qu'on n'en a pas fait assez encore. Ah, mais encore dans la productivité, il n'y a rien qui a changé ou... Ah si, on revient un peu aux sources, quoi. Si tu ne vas pas chasser, tu n'as pas à manger. Eh ben, nous, c'est un peu pareil. Si on ne se lève pas, si on ne produit pas, si on ne va pas vendre à la fin de la journée, ben, on n'a pas d'haricots ou de beurre à mettre dans la soupe. Salut Marc, ça va? Salut Cyril, ça va? La forme? Ouais, impeccable. Qu'est-ce qu'il te fallait? Deux piments. Ouais. Au frais, des, hein. Des frais, ouais. Ouais, le plus frais, ouais. Vous, ça fait longtemps que vous achetez votre fromage chez Marc? C'est 4 ans que je connais. Moi, je fais les marchés ici depuis 7 ans. Je suis restaurateur. Voilà, une étoile au Michelin. Hein. Quand il est arrivé, j'ai eu un gars tout seul avec il avait 25 fromages. Ouais. J'y suis allé directement. Je me suis dit, il y a quelque chose, quoi. C'était beau. C'est beau. Ouais, et c'est bon. C'est beau. Et c'est bon. Merci, Marc. Et ben, à samedi. Allez, salut, ciao. Des fois, je me demande, est-ce que tout le monde peut le faire? Je suis pas sûr que tout le monde puisse le faire. Parce que on se jette un peu dans l'inconnu. On perd tout notre confort. Mais du coup, il y a une liberté qu'on a. Parce qu'on décide de ce qu'on veut faire. Donc toi, tu regrettes pas d'avoir fait ce choix-là? Ah non. Ah non, s'il fallait le refaire, je le referais. Il n'y a pas de problème. Mais le lever de bonheur comme ça pour le marché, c'est un truc... Ouais, ça, c'est un peu dur, ça. Mais bon, il faut le faire. Donc, je suis pas spécialement du matin. Donc c'est plus dur. Là. Et du coup, la motivation, tu la trouves dans quoi? Ah, dans ce qu'on fait, le plaisir de faire quelque chose que tu aimes. Quoi. Ça suffit. La passion. C'est ça. Quand des gens assez âgés, ils mangent notre fromage, ils nous disent oh, on dirait le fromage de ma grand-mère. Alors là, c'est pour nous, c'est top. Récupérer les monstres. Ça y est. Alors, Valentin et Antoine et un autre Marc. Si vous en avez marre de celui-là, vous prenez l'autre. Sur la vie de famille, c'est quoi les bienfaits de ce changement de vie? Bah, d'être ensemble, c'est quand même agréable. Mais ça, c'est à double tranchant. Hein. Il n'y a pas des fois où justement de travailler ensemble, c'est... Il y a eu des petites frictions. Il y a sûrement eu, en fait. Surtout au début, non? Oui, au début, oui, oui. Oui, forcément. Forcément, mais bon. Même encore, des fois. Il y a un chef ou il n'y a pas de chef? Il y a deux chefs. Quoi. Voilà, on sait qu'il y a des moments où on n'est pas à 100% et l'autre, on reprend le relais. Ni l'un ni l'autre, on va se juger en disant « il faut rien, c'est moi qui me tape tout ». Donc, c'est l'intérêt quoi, d'être... À rendre compte à personne. Voilà, donc qu'à nous. Pour le retour, un petit plateau? Yes, bon, bah, super, je ramène ça à Paris. Je leur donne les fromages, mais pas les secrets de fabrication. Ah non, surtout pas. Alors, tout très bien. Je te garde le meilleur pour toi. Bon, ben, un grand merci pour tout. Pour toute la famille. Avec très bientôt. Allez, salut. Salut.
Donc là, on était en Dordogne. Réaction, Marine. Beau reportage, alléchant, moi qui adore le fromage. Mais oui, effectivement, c'est une sacrée aventure pour cette famille. Il faut avoir du courage, tout quitter, pourquoi se retrouver. Parce que déjà, c'est un changement brutal, un autre monde. Et puis, se retrouver tout le temps avec son mari ou sa femme, c'est un sacré changement aussi. Il n'y a plus de collègues de bureau à accuser, effectivement, pour dire bah, c'est de sa faute, il ne faut rien. Donc, on est directement avec son conjoint, quoi. Donc, c'est autre chose. J'imagine quand même que c'est difficile. On est sur un travail de la terre qui est quand même très peu reconnu en France. On l'a vu récemment avec les conflits autour du lait et des géants qui imposent quand même leur diktat sur des gens qui triment 24-24 parce qu'eux, ils sont retournés aux sources. Mais est-ce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur et comment est-ce qu'ils le vivent, ça? Eh bien, je te propose de demander directement à Sabine. Puis Sabine est là. Voilà. C'est génial. Il y a une assiette. Bah, c'est génial. Et donc, qu'est-ce que tu peux me raconter, le temps qu'elle arrive, de ta sensation quand tu étais là-bas? Moi, ce que j'ai senti, c'est vraiment la joie d'être en famille, la joie, la passion, en fait, qui était là, de vivre de sa passion, en fait. Oui, c'est dur, mais je suis passionné. Et quand on trouve ce qu'on aime, même si c'est dur, en fait, la satisfaction, en fait, prend le dessus sur la difficulté. Bonjour, moi, j'ai senti ça dans toute la famille. Enchanté. Bonjour. Vous êtes la bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. On parle de vous dans l'autre dos, vous avez remarqué? Oui, j'ai vu. Bonjour, tous mes invités, installez-vous. Bonjour, Sabine. Bonjour. Avant que vous répondiez, il faut que je parte. Ah, vous partez, c'est vrai. J'ai un rendez-vous. Ça va, je vous explique. Monsieur avocat. À bientôt. Merci, Charles, d'être venu. Merci, beaucoup. Charles. Merci. Au revoir. Donc, il y a une question de mes invités. Première question. Vous disiez, comment faire déjà 24 heures sur 24? Oui. Avec son compagnon. C'est ça, là, ce qui est agréable, c'est justement d'être avec mon mari. C'est la complicité qui s'est installée. J'ai appris à connaître mieux mon mari, en plus. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert de lui? Eh bien, sa capacité, voilà, son tempérament que je n'avais pas saisi tout dans le travail, c'est différent. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il a comme trait de caractère que vous ne connaissez pas ? Il est calme, il est posé, que moi je suis très... je pars un peu dans tous les sens, donc j'ai des idées, plein d'idées tout le temps. Et donc lui, il pose. On a une symbiose dans le couple qui est parfaite. Alors, comme vous parlez de perfection et que la perfection n'existe pas dans ce monde, a priori, on a toujours repris ça, et on se rend compte que c'est souriant, c'est joli, les images sont très belles. Et je voudrais comprendre un peu à l'origine, qu'est-ce qui fait que vous jetez dans le vide? Bah, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, c'était la période de licenciement. Vous faisiez quoi, vous, à ce moment-là? Eh bah, j'étais secrétaire. Et lui, il était technicien dans une firme automobile. D'accord, donc rien à voir avec le fromage de chèvre? Absolument rien. Rien à voir? Rien du tout. Un licenciement, c'est terrible, parce que c'est l'exclusion. Non. Nous, on ne l'a pas vécu comme ça, parce que justement, on avait besoin de ça. C'est vraiment le coup de pouce qui nous a dit, allez, maintenant on y va. Le coup du destin qui vous dit, ouais, ouais, ouais. Nous, on ne l'a pas, mais vraiment pas pris comme une déception. Autour de vous, les gens étaient catastrophés, et vous, vous disiez, c'est une chance. Voilà, ouais. Les gens n'ont pas bien compris. D'abord, l'idée germe comment? Parce que, donc, secrétaire technicien, on peut se dire, on va changer de vie, on va aller ouvrir un club de plongée, mais faire du fromage de chèvre. Comment vient l'idée? Alors, on a eu plein d'idées. Hein. Moi, j'adore tout ce qui est cuisine. Donc, on était plutôt parti dans une crêperie, comme on habitait en Bretagne, des choses comme ça. Donc, service à la personne, bar tabac, bon, pourquoi pas. Voilà, c'était vraiment diffus. Ça partait de quoi, d'ailleurs? Des envies, de vos capacités, de votre potentiel? Ça partait de quoi, les idées? C'est déjà partir travailler ensemble. C'était vraiment le point, le premier point, c'était travailler ensemble. Ça, c'était vraiment le premier point. Après, ça partait dans tous les sens. Hein. Au début, on est vraiment parti dans tous les sens. Je me suis endormie sur le canapé avec mon mari et je me suis réveillée et je lui ai dit « Écoute, pourquoi on n'essayerait pas voir pour faire élever des chèvres ?» Mais vraiment, ça a été non, quelque chose... Ça ressemble à une blague, il a rigolé. Oui, oui, et il m'a regardé. Non. Même pas. C'était un rêve, tu as dit « C'est mon rêve ». Je ne sais même pas pourquoi. À un moment donné, j'ai eu peut-être besoin de liberté, je ne sais pas. C'est parti comme ça et il m'a regardé, il m'a dit « Bon, eh ben, on va faire des recherches ». Incroyable. Le soir même. Il y avait 1000 réactions possibles. Ah oui, à celle-là. Oui, parce que j'avais lancé déjà plein de projets où c'était bof, ouais, bof, bon, on va essayer, on verra bien. Et celui-là, il m'a dit, ah ouais, on va faire des recherches. Vous habitiez en ville? Non, on était près de Rennes, mais c'est périphérique, on était quand même plus... Non, parce qu'il y avait ce besoin peut-être de retour à la nature. Oui, mais franchement, j'ai pas analysé, on n'a pas analysé ça, on s'est dit... Je crois qu'on ne se sentait pas bien dans ce mode de vie. Donc le premier constat, c'est ça. Ouais, c'est observer ce qu'on ressent. Oui, je pense que c'est un mal-être dans notre vie où on a l'impression qu'on ne sert à rien. Il nous manquait quelque chose. C'était vraiment un manque. Alors quoi? On ne savait pas jusque-là.
C'était quelque chose où on ne percevait pas. Et quand on a lancé cette idée, le lendemain matin, mon mari avait déjà pris toutes les informations qu'il pouvait avoir. Donc moi, je lui ai dit, OK, on le fait, parce que c'était une idée en commun, mais je dis, on ne part pas comme ça à l'improviste. Il faut apprendre. Il y a des enfants, métier. En plus. On a des enfants. Donc on a fait vraiment... on était avec les enfants autour de la table, et à ce moment-là, on a dit, voilà. Ils ont réagi comment? Je crois que ils étaient petits, ils ont réagi bien parce que voilà, on allait en campagne, on allait changer de vie. Ma plus grande était un peu plus perturbée, mais non, c'est les amis autour. La famille. La famille plus réticente. Certaines inquiète personnes. Plutôt. Ouais, inquiète, réticente et inquiète. Et vous disiez quoi? Ben, qu'on avait des métiers, on avait une bonne place, on gagnait bien notre vie, on était vraiment dans le système. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi, à un moment donné, on a eu besoin de dire « j'arrête tout, j'en peux dire plus ». Ouais, c'est ça. À quel moment on se dit « il y a un truc qui ne va pas » ou « il me manque quelque chose » Vous arrivez à vous rappeler à peu près comment c'est arrivé? Est-ce que c'est diffus ou est-ce qu'il y a des questions? Je pense que le licenciement a fait que voilà, ça nous a quand même remis en question. On s'est dit « voilà, il y a un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut... » Après, on était dans la crise, on va dire, de la quarantaine, donc on on l'a eu. Donc à ce moment-là, c'était on fait quelque chose, on fait pas. Soit on change de mari, soit on change. Voilà, de c'est ce que je me suis dit. Mais tout compte fait, j'ai gardé le mari parce que bon. Parce qu'il est cool. Il fallait changer quelque chose. Il fallait changer. Il y avait une sensation de changement. Ouais. Parce qu'il y a reconnaître le mal-être, il manque quelque chose, et ensuite oser se dire il y a sans doute autre chose. Voilà. Et quand on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, on n'imagine pas qu'il y a autre chose. C'est ça qui est fascinant. Bah, et puis c'est voilà, on s'est dit, même si on n'y arrive pas, vraiment on est parti dans cette optique, on s'est dit même si on n'y arrive pas, on se lèvera le matin en disant on a essayé. Ce qui était intéressant, non, moi ce qui m'a beaucoup touché quand on discutait ensemble, c'est quand tu m'as dit on est parti avec le camping-car, la famille, les enfants. Et en fait, en partant comme ça pendant un an, en fait, j'ai découvert mes enfants. Oui, j'ai découvert mes enfants. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Parce que, bon, on les emmène à l'école le matin, on les reprend. Donc, toute la période où ils sont à l'école, on ne les connaît pas. Donc, le fait de leur faire l'école, parce que pendant 2 ans, ils ont été quand même déscolarisés, qui a posé aussi énormément de problèmes par rapport à certaines personnes, que c'était une chose qui n'était pas concevable, de pas mettre nos enfants à l'école. Tu les as donc fait l'école à la maison, mais c'est qu'après, quand ils retournent à l'école, est-ce qu'ils sont moins bons parce qu'ils n'ont pas été scolarisés? Non, bah, je n'ai pas entendu le prof me dire que... Au contraire... Vous avez donné les cours à vos enfants? Oui, on a donné les cours. Donc, chacun en avait un. Mon mari avait le plus grand, moi le plus petit. Les cours par correspondance? Oui, on prenait sur Internet et après, de toute façon, on est contrôlé. Hein, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des inspecteurs qui viennent en fin d'année qui contrôlent le travail qu'on a fait à nos enfants. Ça aussi, c'est une décision. Hein. Donc voilà, c'est une responsabilité qu'on a après envers nos enfants. Mais c'est pareil, on y a cru. J'ai appris à connaître mon fils, mon grand, qui, voilà, c'est une expérience. On est très complices maintenant. Et pendant cette année-là, en camping-car, c'était quoi? C'est une sorte d'enquête pour savoir comment on fait du fromage de chèvre? C'était, voilà, on a été une année à l'école où c'est très scolaire. Apprendre à faire le fromage de chèvre, apprendre ce que c'est une bête, la soigner, tout ça. Donc c'est très bien parce que nous, qui ne connaissons rien, on est obligés de passer par là. Moi, je ne me voyais pas élever mes chèvres sans avoir un minimum sur... Leur donner à manger des croquettes pour chat. Voilà, c'était une chose, mais rien que très apprendre à traire, apprendre, voilà, il y a des bases. Donc c'est important de savoir qu'il y a des endroits en France où on peut apprendre à traire. Oui. Vous saviez? C'est un BPERA, c'est une école spécialisée pour les adultes en agriculture. Donc il y a tout pour tous les agriculteurs. On était donc une trentaine dans la classe et donc ce qui était bien. Il y avait que des changements de vie? Pas tous, mais il y avait des changements de vie. Et alors, est-ce que par hasard ce sont les fromages de chèvre qu'on est en train de manger depuis tout à l'heure? Bien sûr. Marine? Celui-là est magnifique, donc j'ai trop envie d'y goûter. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont bons, ils sont beaux, donc il y a de la créativité. Quand on a commencé l'école, c'est pas ça qu'on apprend. On apprend prendre une louche et mettre dans des moules, et puis voilà, en faire la technique, et le faire le plus possible pour avoir le plus de rendement. Donc moi, j'ai dit à mon mari, à ce moment-là, j'ai dit, j'arrête. Je vais vraiment m'ennuyer. J'ai dit, si on ne trouve pas une autre technique, moi, je ne continue pas. C'est vraiment moi, c'est pas le métier que je voulais faire. Donc, c'est intéressant, là aussi, parce qu'on vous dit comment faire. Vous dites, non, moi, je ne veux pas faire ces changements. Je ne veux pas prendre tous ces risques pour ça. Pour ça, oui. Il va falloir que ça soit adapté à ce que je veux. Voilà. Et là, vous vous dites, non, je veux qu'on... Je veux quoi? Qu'on crée, qu'il soit joli, qu'il soit bon. Voilà, c'était un souci d'excellence quand même. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans le reportage, vous êtes servi chez des chefs étoilés quand même. Oui. Bah, on a eu de la chance de rencontrer des personnes qui sont excellents aussi. C'est des fromagers qui sont passionnés, qui nous ont bien... Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? C'est quoi la passion du fromage? Et bah,
Je sais pas, c'est vivant, à chaque fois qu'on traite, on n'a pas le même lait, donc c'est vraiment une attitude de compréhension du lait. Je traite ma chèvre, je fais du lait, et non, il y a à comprendre le fromage, comprendre le lait. C'est une phrase sortie du contexte, c'est spécial, hein. Comprendre le fromage. Comprendre le fromage. Pas bien, je ne pratique pas bien. Ah mais c'est très dur. C'est vous avez basculé de l'autre côté de la force, là, de toute façon. On ne peut plus vous rattraper, mais enfin, le résultat est super. Donc, en fait, vous comprenez le fromage désormais. Voilà, voilà. C'est une matière vivante qui bouge au fil des temps, qui bouge par rapport au temps, par rapport à l'hydrométrie. C'est toute une... Est-ce que vous arrivez à bien vivre financièrement? Parce que ça aussi, c'est une question importante et c'est souvent une question aussi que peuvent se poser les gens. Est-ce qu'on arrive à bien vivre? Et maintenant que vous avez avant et après... Alors, avant... Beaucoup d'argent, ouais. Non, pas beaucoup. On vivait bien. Après, voilà, on tire la langue à certains moments. On ne vit pas de l'agriculture. Mm. Pour l'instant, notre couple, moi, notre famille ne vit pas d'agriculture. Vous vivez de quoi ? Pour l'instant, on a des dons de nos familles qui croient à notre projet et qui nous aident financièrement jusque-là, en fin de mois, parce que. Le problème, c'est qu'on a 2 mois où nos chèvres ne font plus de lait et ces 2 mois-là, il n'y a pas de salaire. Ah ouais. Donc, pour l'instant, on n'a pas de trésorerie pour pouvoir faire ces 2 mois-ci. Donc, mais pourtant, on a l'impression que vous ne regrettez pas le choix. Non. Alors ça, c'est une chose que je ne regrette pas, non. Mais il y a des coups où on se pose des questions en se disant, bon, c'est toujours bien, la famille, elle nous aide, mais on aimerait bien pouvoir vivre quand même de ça. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Parce que vos fromages, là, ils sont super bons. Donc, en fait, il faut venir en Dordogne pour les trouver. Pour l'instant, oui. À quel endroit ? Nous sommes à Hautefort. À Hautefort. Voilà. Donc, si on va à Hautefort en Dordogne, on vous trouve. Voilà, on nous trouve. Et le seul souci qui se pose, c'est que comme on boycotte toutes les grandes surfaces, donc on fait que de la vente directe. Et la vente directe, c'est compliqué. On est deux sur l'exploitation. Donc moi, je fais des foires, je pars à Compiègne. Je pars 2 ou 3 fois dans l'année pour vendre mes fromages. C'est 2 jours, 3 jours sans que je sois là-bas. Et c'est mon mari qui s'occupe de l'exploitation. Donc il faudrait quoi pour que ça fonctionne comme vous le voulez ? J'imagine qu'en plus, Sabine, elle n'est pas toute seule à être dans ce cas-là. J'imagine qu'il y a plein de petits producteurs comme ça, artisanaux, qui sont soucieux du beau produit, qui sont dans ce cas. Et peut-être que ça serait intéressant de créer une forme de fédération et d'avoir un outil de distribution. Un site internet, il y a des sites, on est sur la rue, qui dit oui, voilà, il y a des magasins producteurs. On a plein de choses. Le seul problème, ce qui se passe, c'est que nous, notre produit, il est un peu atypique et on est obligé d'expliquer aux gens. C'est-à-dire qu'on a valorisé le produit, donc il y a un prix. Et il est difficile de vendre un produit sur une étale sans expliquer pourquoi il est à ce prix-là. Donc c'est toute une démarche derrière qu'on est obligé de parler aux gens en expliquant, voilà, nous on fait ça, on le produit de telle façon, mes chèvres elles ne sont pas poussées, donc elles ne font pas beaucoup de litrage. Et c'est un éternel, tout le temps quand on a des nouveaux clients, il faut expliquer et expliquer la démarche. Pourquoi on veut faire de la vente directe ? Parce que c'est important d'expliquer aux gens. Donc il y a beaucoup de choix militants quand même. Hein. Oui. Il y a beaucoup de décisions à prendre. D'abord, décider de changer de vie, de ne pas prendre le malaise pour ce qu'il est, mais d'essayer de faire autre chose. Accepter de se planter, ça c'est quelque chose qui est courageux quand même. Hein. Ensuite, de ne pas être dans les grandes surfaces, de faire quelque chose d'exigeant et de nouveau. Bon, vous êtes récompensé. Encore une fois, il y a un chef étoilé, il y a un garçon comme Marc qui vous remarque. Et donc voilà, Hautefort en Dordogne. Voilà. Arnaud ? La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est non seulement c'est meilleur au goût, c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour les animaux, et il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à valoriser ça. Oui. C'est ça la bonne nouvelle pour vous, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais je suis persuadé que ça va ouvrir plein de choses, il y a plein de gens qui vont vous appeler, il y a plein de gens qui vont vouloir vous aider. Moi, j'ai déjà des idées avec qui on peut vous connecter, qui sont passés par des situations un peu similaires. Donc Sabine, dans la bouche d'Arnaud, ça a du poids, et vous disiez la vie est faite de rencontres, parce que vous n'étiez pas là quand je l'ai présenté. Oui. Et donc Arnaud est le président Europe, on va dire, d'un mouvement qui fédère tous les gens qui font du bien à la planète, les gens qui entreprennent, mais pour la planète, pas pour eux ou pour le profit des actionnaires. D'accord. C'est vous dire s'il connaît des gens. Un réseau planétaire. C'est pas une blague. Mal, hein. C'est pas une blague. Mais auparavant, je voulais la réaction de Marine et de Laurence de ce que vous venez d'entendre, ce témoignage. Moi, je trouve que vous ressemblez un peu. Hein. Oui, je me retrouve. Les femmes battantes. Dans certains choix et puis même, oui, dans les choix. Et vraiment, oui, j'admire parce que c'est bien. C'est fort d'avoir tout plaqué, de s'être occupé de ses enfants. Et je crois que oui, effectivement, on peut le faire.
Moi, c'est quelque chose que je me serais sentie aussi de faire. En Dordogne, à Hautefort. Ah, peut-être pas des chèvres, j'aurais peut-être pas choisi les chèvres, mais oui, c'est un peu... Je sais pas, comme allez, ça, d'emblée, de but en main. Dites le truc qui fait parler son mari. Ah non, mais moi, je serais partie, c'est plutôt sac à dos avec les enfants, faire le tour du monde et faire l'école, voilà. Moi, ça aurait été plus ça. Mais bon, là aussi, il faut vivre, mais quitte à faire de tous les métiers du monde sur la route, mais voilà. Mais je comprends tout à fait. Puis la démarche du commerce de proximité, réduire les circuits courts, tout ça, j'adhère complètement. Et moi, je serais facilement l'une de vos clientes si j'habitais pas Perpignan. Donc voilà. Et vous, Laurence ? Oui, j'admire aussi son parcours, c'est fabuleux. Et ça montre à quel point, quand même, pour faire des métiers de terre, il faut vraiment être passionné, parce qu'on a quand même beaucoup plus d'inconvénients. Bien sûr. Désolée. Ah ben c'est un métier de passion. Hein. Inconvénients matériels, si on peut dire, que d'avantages. Mais on dirait que les avantages sont tellement importants pour eux, pour la famille, pour que voilà, c'est vraiment, elle prouve vraiment encore son témoignage que c'est vraiment un métier de passion. Vous incarnez ça. On a envie de vous applaudir. Moi, j'ai envie de vous applaudir. Et c'est sincère, parce que vous êtes allé au-devant des peurs, et ça me touche beaucoup. Donc Arnaud, toi, ça te séduit, évidemment, tu baignes là-dedans toute l'année, tu es à la tête, explique ce mouvement, parce que c'est très particulier. Ashoka, c'est une association à but non lucratif qui a un nom un peu bizarre, parce qu'on est né en Inde, c'était le nom d'un empereur indien il y a 2500 ans. Et ça fait un peu secte, Ashoka, je trouve. Ça fait un peu secte, mais ça veut surtout dire en sanskrit, absence de contraintes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif de notre organisation, c'est de trouver des femmes et des hommes qui entreprennent, qui décident à un moment donné de changer les choses dans un domaine donné. Mais on sait très bien, et vous l'avez très bien expliqué, que la vie d'un entrepreneur, c'est fait d'obstacles. C'est des embûches. Il faut avoir l'idée, et puis l'idée, elle ne vient pas forcément comme ça. On l'a vu, là, vous êtes réveillé un matin sur un canapé, c'était sympa, mais ce n'est pas pour tout le monde pareil. Ensuite, il faut des moyens, et ensuite, il faut être capable de le faire, etc. etc. Et donc, il y a sans doute plein de gens qui sont prêts aujourd'hui à changer de vie et à lancer un projet d'entrepreneuriat. Il y en a très peu qui vont en réalité le faire. Ils vont oser le faire. Qui vont oser le faire. Donc, nous, notre organisation, en fait, elle a pour mission de détecter ces femmes et ces hommes qui, à un moment donné, apportent une solution très innovante à un problème qui peut être un problème d'accès à l'éducation, un problème, effectivement, de circuit court. Je vous parlais tout à l'heure d'un des projets qu'on est en train de soutenir. C'est un projet qui est en train de transformer, finalement, la filière du lait. Et qui a réussi à trouver la recette magique pour faire du lait en circuit court qui permet de payer quasiment deux fois plus les éleveurs que ce qu'ils sont payés aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça, j'espère que je pourrai venir le présenter parce que ce que fait Fabrice est incroyable à côté de Nantes. Et donc, c'est ce type d'entrepreneurs, quand ils ont des idées complètement folles comme ça, ben, il y a à la fois la pression de l'environnement, la pression parfois des lobbies, et donc il faut être un petit peu entouré. Et donc l'objectif de notre organisation, c'est de... C'est ça le côté protecteur d'Arnaud, je ne comprenais pas. Voilà, c'est ça. Effectivement, entouré. On entoure, on embrasse. Et on essaye d'amener à la fois un petit peu d'argent, beaucoup de compétences, énormément de bienveillance, parce que la très très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider. Là, je suis sûr qu'il y en a plein qui vous voient, qui vous écoutent, qui vont prendre leur téléphone s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et réussir à mobiliser finalement cette solidarité au sein de la société, mobiliser toutes les bonnes volontés, mais les expertises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène incroyable qui est en train de se passer, c'est que cette quête de sens, elle est en train de réconcilier le social et le business. Plein de gens qui se disaient avant, je ne sais pas trop à quoi je sers, j'ai des compétences, mais où est-ce que je peux les investir, sont en train de vouloir aider d'autres personnes qui changent le monde sans le savoir. Donc nous, notre rôle à nous, c'est d'organiser un petit peu tout ça. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans près de 80 pays. C'est le grand elle bonheur. Elle a passé, là, d'un coup. Ah, oui, oui. Non, mais... 80 pays à l'export ou pas ? À l'export. Allez, hop, on va faire, là, hop, hop. Je pars tout de suite, là. mais la bonne nouvelle, c'est que ça se passe partout. Et que des acteurs du changement, ce que vous êtes aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et vous êtes en train d'être un véritable mouvement silencieux, mais d'une puissance phénoménale. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'il y a plein de gens qui pensent la même chose. Il y en a quelques-uns qui passent à l'acte, qui se retrouvent tout seuls face aux obstacles. En fait, c'est ça. Et donc, vous l'avez dit drôlement bien, c'est l'association. Parce que ce combat d'une mère qui se battait pour que ça ne se produise pas ailleurs, des enfants malades à cause d'un médicament qu'on a pris quand on était enceinte, et encore une fois, on n'était pas prévenus. Vous dites, ensemble, on est plus fort. Ouais. Donc ça a l'air d'un cliché, d'un truc de bisounours, comme vous dites. On parle souvent des bisounours, il faudrait que je regarde ce que c'est un de ces jours. Et donc, du coup, on pourrait penser à ça, sauf que là, il y a une vraie expérience de vie, c'est ce qui vous a réuni. Oui, c'est ce qui est le plus difficile aussi à réussir. Fédérer tout le monde, savoir porter la parole de tout le monde, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Ça demande beaucoup de talent de communication, ce qui n'est... Et Laurence m'aide beaucoup là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement, de gens qui changent le monde ? Qu'est-ce que ça veut dire changer le monde ?
Bah, ça veut dire une somme de petits pas, en fait. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. C'est-à-dire que ce n'est pas la culture du super-héros qui arrive et qui a une idée extraordinaire qui va tout révolutionner. C'est la somme des individus qui, à un moment donné, décident de faire changer les choses à petite échelle. Et puis certains vont un peu plus loin que d'autres. Mais le courage de ce premier pas, c'est souvent le plus difficile à avoir. Et quand on l'a, et vous l'avez eu, je pense que c'est parti. Et je pense que vous avez d'autres rêves derrière qui sont en train de s'enclencher. J'en suis à peu près persuadé. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est Gaëlle, dont un des enfants naît autiste. Et elle se rend compte que soit on lui adjoint une aide personnelle à l'école et il ne va pas forcément très bien apprendre parce que le système éducatif n'est pas adapté, soit on utilise les nouvelles technologies et les applications, notamment sur les tablettes, pour finalement découper les grandes marches que sont la progression dans l'éducation en mini-marches. Et ces mini-marches, elles sont du coup accessibles aux enfants autistes, mais elles sont accessibles du coup à nos enfants. Donc elle est en train de faire ça, et en faisant ça pour son enfant, c'était sa vocation première, elle est en train de progressivement transformer les choses plus largement. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour elle, du coup? Alors moi, ce que j'essaie de faire pour elle, c'est que ces entrepreneurs du changement, quand ils arrivent, qu'ils ont eu l'idée, et qu'ils ont dépassé généralement le pilote, le premier projet expérimental, là c'est le grand saut dans l'inconnu. Parce que là, il faut grandir, on parle du changement d'échelle, il faut trouver de l'argent, il faut trouver des partenaires, etc. Et quand vous êtes éloigné de cet univers, parce qu'elle, elle travaillait dans une grande entreprise, elle faisait des choses assez classiques, mais derrière un bureau, bah là, d'un seul coup, c'est d'autres compétences qui sont nécessaires. Et donc un réseau comme le nôtre, il va apporter des partenaires qui vont l'aider à structurer son modèle d'affaires, qui vont lui expliquer comment développer la bonne stratégie, qui vont lui la mettre en réseau. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, qui vont lui montrer qu'elle n'est pas toute seule. Parce que la première cause de plantage, finalement, et d'abandon des entrepreneurs, c'est l'isolement. C'est ça, hein, même en agriculture. Hein, on est à part, même de la chambre d'agriculture, tout ça. On prend pas de primes, on vit vraiment, on essaye de valoriser le produit pour qu'on puisse vivre de l'agriculture. C'est vraiment le point fort qu'on veut mettre en avant. C'est de résister aux subventions. Voilà, résister, se dire non, on a commencé, on a dit, toutes nos économies sont passées. On a vendu tout ce qu'on avait. Les dernières choses ont été vendues cette année. On s'est dit, c'est bête, parce qu'on les a. On y a droit, donc on pourrait les prendre. Mais on s'est dit, non, on veut vraiment vivre de notre produit. Ça on travaille. Là, parce qu'on a dit pas non au supermarché, non aux pesticides et non aux subventions. Non, oui. Incroyable. C'est ça qui est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi, en fait, quand tu acceptes les subventions, qu'est-ce que ça implique pour vous? Il y a plein de choses. Ça implique qu'on a des comptes à rendre. Donc, c'est, voilà, on ne fait pas un métier pour être libre, pour que derrière, je vois, pour la PAC, les choses comme ça, il faut bien nettoyer les prairies. Moi, mes chèvres, elles mangent tout ce qui est en bas. C'est le béaba de la chèvre. Elles mangent tout. Le béaba de la chèvre? Ben oui. Elles mangent tout. Donc, vous voulez dire que les gens dans les bureaux en ils, Europe... Ils nous imposent des choses qu'ils ne savent pas. Ils ne sont pas sur le terrain. Ils peuvent pas dire... Moi, mes chèvres, elles mangent toutes les ronces. Et puis, elles se régalent. Elles adorent ça. Donc, on me dit qu'il faut enlever toutes les ronces pour pouvoir avoir une surface nette, pour pouvoir avoir une subvention. J'ai dit, mais c'est fou. Moi, mes chèvres, quand j'ai plus d'herbe, elles mangent les ronces. On essaye de toujours qu'elles aient quelque chose à manger. Ce qui fait qu'on nous impose des choses qui n'est pas réelles. Quoi, qui est pas... Quand on réfléchit bien, on se dit... Ouais. C'est quoi c'est ces gens qui sont dans les bureaux et qui se permettent de donner des indications ou des choses à faire quand on n'est pas sur le terrain. C'est incroyable. Assez, Sabine, Marine, même petit état d'esprit. Hein. Oui, un petit peu, oui, c'est ça. Non, mais, oui, non, mais je me reconnais complètement. C'était une citoyenne toute seule qui s'est retrouvée finalement être épaulée par la communauté européenne et qui a obligé la France à changer les choses. Oui, imposer les changements. Et là, vous êtes en train de parler de ça. Donc c'est incroyable. On pourrait parler pendant des heures. Marine, un mot de conclusion. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir passé du temps à expliquer ce combat qui est important pour des milliers de femmes, pour des Donc milliers on rappelle de le combat, hein, c'est important. Donc la dépakine, un médicament qui a été prescrit aux femmes enceintes pendant 50 ans, sans leur avoir indiqué qu'il était phytotoxique pour le bébé qu'elles portaient. Voilà, et aujourd'hui 10 000 enfants malades à peu près dans Au ce moins, pays. Des dizaines de milliers, des centaines de décédés. Il faut que ça cesse, il faut que les pouvoirs publics et que les laboratoires assument les responsabilités et prennent en charge aujourd'hui ces enfants malades. Voilà, donc avec beaucoup de douceur, elle fait passer des messages. Je peux vous dire qu'elle n'a pas peur ni de la pression, ni des lobbies, ni des pouvoirs publics, ni des politiques. Donc merci sincèrement. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Et puis je voudrais rappeler cette phrase que j'aime beaucoup d'un poète dont je ne connais pas le nom. Ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, vous serez touché demain par l'histoire de Colette Roumanoff. Elle est la mère d'Anne, l'humoriste que tout le monde connaît. Et pendant 10 ans,
Colette a tenté de dompter la maladie d'Alzheimer de son mari en la transformant en allié. Aujourd'hui, Colette se bat pour faire changer les regards sur cette maladie. C'est pas parce qu'une personne a Alzheimer qu'il faut l'empêcher de faire, l'empêcher de donner, l'empêcher de recevoir. Vous voyez, tous les êtres humains, ils ont droit à ça, faire, donner, recevoir.